qui monte Rhapsody du bois d'été, cheval suisse. Ce cavalier valaisan qui prend le départ. Rhapsody du bois d'été par Rubens Duridas. Jumeau de 12 ans. Là, là, ça a passablement bougé sur l'Auxerre numéro 2. Un petit peu d'ordre dans cette conversion. Elle est assez à l'eau, attention à la reprise avant le vertical numéro 6. Il fallait reprendre fort parce qu'il est rentré avec beaucoup de train sur l'Auxerre numéro 5. Ça bouge sur le numéro 8. Mais ça tient. On est donc toujours sans faute. Reste 2, il a regardé l'écran géant, Yann Décimo, pour être sûr qu'il était encore sans faute. C'est génial. Ça, c'était assez amusant. Vous l'avez vu là sur la ligne, il y avait l'écran géant à sa droite. Il l'a regardé pour être sûr d'être toujours sans faute et puis voir peut-être aussi le chronomètre. Mais regardez ça, extraordinaire. Il est incroyable. C'est vrai qu'il y avait eu un petit sursis, donc il s'est peut-être dit est-ce que je suis vraiment sans faute. Bah là, du coup, il est qualifié pour le barrage, bien sans faute. Yann Décimo,